everybody! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On répond à nos méchants commentaires. Avant de commencer, on a des cadeaux pour vous. Christmas for you. On a une PS5 à vous faire gagner. Si vous la voulez, vous mettez en commentaire PS5, je te veux. Là, vous allez me dire, mais pourquoi vous avez une PS5? Bah, en fait, c'est parce qu'on a trop d'argent, c'est plus pour en foutre. Alors voilà, on fait des cadeaux, yo. Mais moi, je la veux, hein. Mais non, mais bébé, on l'a déjà. J'avoue, on en a trois. On en a une dans le salon, une dans la salle de jeu, une dans la salle de bain. Et la dernière fois, j'ai failli me faire électrocuter. Mais non. Je te jure, elle est tombée dans l'eau. Attends, t'es sérieux? C'est-à-dire que tu l'as pété en fait? Bah oui, c'est pour ça que je voulais garder celle-là. On a aussi deux BD à vous faire gagner. Gagner. On nous les a offerts, mais vu qu'on sait pas lire, voilà, on vous les offre. Exact, et si vous les voulez, vous mettez en commentaire. Trop generous. Mais non, mais pas ça en commentaire. Non, mais je voulais dire qu'on était trop généreux. Mais ça, oui, ça coule de source. Hein. Vous mettez en commentaire. BD, je te veux. Mais oui, j'ai oublié. Tu l'as vu ou quoi? Oui, je la veux. Putain, tu me saoules, hein. Y a que comme ça. Bah oui, mais t'aimes bien, c'est même pas une punition. Hein. Ah, je vais saigner du nez. Tu veux saigner? J'ai envie. Oh, ok, so let's go pour les commentaires méchants. Ah, qu'est-ce que je suis belle, c'est trop beau. Ah, vraiment, quand je me regarde en retour, j'ai trop envie de me faire des bisous tellement je suis belle. Bah, merci, moi aussi. Hein. À moi? Non, à moi. Franchement, moi, ça me fait trop pas peur, les commentaires négatifs. Hein. Bouffonne, là. Alors, ça fait trop rire, bah allez. Ta gueule. Oui. Toi, je t'aime bien, mais ça va. Mais la gueule de ton mec, je la déteste. Bah écoute, si t'aimes pas ma gueule, je vais mettre un sac et on va faire une vidéo comme ça. Eh mais bête, t'es trop beau comme ça. Putain, j'ai fait une crise d'arachnophobie. Horrible, vous êtes en couple alors que vous êtes frère et sœur. Bah c'est pas un méchant commentaire, c'est juste une info. Hein. Bah oui, j'avoue. Hein. Et puis en plus, on a le droit, hein. Y a bien des cousins et des cousines qui sont mariés. Hein. Moi quand j'étais petit, bah mon oncle, il s'était marié avec sa fille. Hein, en fait, y'a pas de problème. Hein, justement, quand t'es de la famille, bah tu connais au moins. Hein, bah ouais. Parce que les gens qui font les malins de « Ah, je me marie avec un inconnu » et tout. Et après, bah je vais divorcer parce qu'en fait, ça ne me correspond pas. Nous, on est unis pour la vie et c'est le plus beau qui compte. J'avoue. Et puis au moins comme ça on n'aura pas à rencontrer nos beaux-parents et ils diront pas « Ah je l'aime pas elle !» Vu que c'est nos parents, on s'en fout hein. Question next. Next question. Alors, next vous... Non mais putain mais Baïs, tu parles tout le temps, on va pas y arriver en fait, réfléchis Gogol. Toi t'es un oiseau dans ta tête hein. J'espère que tu vas crever avec ta maladie, sale coton-tige de merde tout blanc. Bah déjà, je suis pas malade en fait. Donc j'avais dit ça pour gagner des abonnés, mais bon, c'est pas grave, c'est pas à jour, whatever. Ça a trop marché d'ailleurs, on a gagné plein d'abonnés. Ouais. Et puis en plus, il était malade, je pense qu'il me l'aurait dit avant. On dit au monde de sa famille quand on est malade. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Si les gens ils savent pas, ils parlent pas en fait. Bah bah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, Baé? Il est trop bête, à chaque fois il a des fous rires comme ça. Mais toi, t'as des fous rires des fois, tu me fais trop rigoler, Baé. Mais toi, Baé, si t'avais une maladie, tu me le dirais direct ou pas? Mais Baé, tu sens la mort! Ah putain, ça sent le kebab. Next question. Bouche à pipe. Qui? Eh ben c'est bien, fais un coup pour savoir celui qui fait le mieux. Vas-y, 3, 4. Mais bah t'as dit Corentin. N'importe quoi, j'ai pas dit. Bah si t'as dit. Mais Corentin c'est notre cousin, je vais pas dire Corentin. Je mets le replay si tu veux hein, et tu verras bien que je dis pas Corentin, je dis bye bye. J'ai cru que t'avais dit Corentin mais c'est parce que je suis sourde. Hein. Bah oui, hein, va chez l'ophtalmo. Bah j'ai rendez-vous mercredi. Hein. Bah vas-y. On est mercredi, bah allez. J'ai loupé mon rendez-vous. Ça fait 6 mois que je l'avais. Bon allez, une dernière pour la route. Antonin est trop efféminé. Bah non, je suis pas pédé. Hein. Mais bah tu peux être efféminé sans être pédé. Hein. Bah non, si j'étais pédé, je sortirais pas avec ma soeur. Hein. Mais tu sors avec ta soeur? Bah c'est toi, bah. Oh là là. Ah mais j'avais pas compris. Maëva est trop moche. Bon, ça c'est pas méchant, c'est vrai. Bah oui. En vrai, je m'en fous d'être moche parce que la mocheté, c'est à l'intérieur. Et puis au pire, quand on est moche, on a une solution comme tout à l'heure. Le sac. Putain, mais ça, t'es trop belle. Ça te dit, tu le gardes pendant toute la vidéo? C'est mieux là, non? Mais moi, je vois rien. Mais non, mais parle pas non plus, parle pas non plus. Non, mais je déconne, bah, c'est bon. Moi, je suis allergique au sac en plus, je le sais, bah. T'es allergique à tout, grosse pute. Et bah, ça fait quoi les canards quand ils baissent? Coin-coin.
Bah ouais. C'est horrible quand ça baise. Hein. Mais non, c'est pas quand ils baisent entre eux, c'est quand nous on les baise. Ah, mais moi j'ai compris, t'as dit. Ça fait quoi les canards quand ça baise? Ah, pardon, ça fait quoi quand je baise un canard? Ah, oui, d'accord. Donc du coup. T'as déjà baisé un canard? Bah oui. Antonin, il pue de la gueule. Mais c'est trop bizarre, comment les gens ils peuvent savoir ça? Je sais pas, c'est une vidéo quoi. Oui. Enfin, ils peuvent pas sentir mon odeur, tu vois. Saoule. Peut-être c'est quelqu'un qui te connaît, hein, qui a mis le commentaire, on sait pas. Bah mais je vois personne à part toi. Non mais c'est trop bizarre. Mais non mais s'ils te le disent, c'est forcément qu'il y a un truc bail. Pour info, je pue pas de la gueule, hein. Pour ceux qui me connaissent pas, je vous rassure tout de suite, je pue pas de la gueule. Même Bailly, elle peut vous le dire, hein, Bailly. Bah dis-leur. Je dis quoi? Bah que je pue pas de la gueule, Bailly. Mais ça se trouve c'est ton dentiste, Bailly. Pfff, n'importe quoi, ton dentiste il est mort. Et c'est trop bizarre, Bailly. Ça sent le déo. Sans brocoli, hein. Le brocoli au déo. Antonin est trop beau. Je sais. Mais bah, c'est toi qui l'as écrit, hein. J'ai pas que ça à foutre, hein. Mais c'est ton compte Google, hein. Mais non, c'est quelqu'un qui a pris le même nom, mais c'est pas moi. C'est la même photo et tout, hein. Ouais. Mais c'est ton adresse mail. Mais c'est bon, je vais me faire un beau commentaire, y'a que des méchants. Mais c'est le but de la vidéo, bah, sinon, on lit vos gentils commentaires. Ah, viens, on fait ça. Viens, on fait ça après. Ah ouais. Ce sera mieux. On lit que des gentils maintenant. Bande de fils de pute, je vous déteste. Bah prends le prochain. Ok. Vous êtes des gros cons, allez vous pendre. Attends, il y a forcément d'autres commentaires. Je déteste ce que gentils, vous faites, hein. Vous êtes moche. Non mais c'est bon, on a qu'à désactiver les commentaires. Ça sert à rien en fait. Vous laissez des commentaires, vous êtes juste des gogoles. Eux vous êtes trop jaloux de nous. Ouais, personnellement, les gens qui laissent des méchants commentaires en fait, bah juste faites des vidéos, hein. Parce que c'est facile de physiquer. C'est trop facile, mais nous on stream le cul toute l'année, hein. J'avoue. On pose notre caméra, on est dans le lit, on fait des vidéos, vous faites rien. On doit mettre la lumière et tout. Ouais, le micro faut le brancher et après il y a le montage à faire. Ça prend au moins 2 heures. Je me suis perdu sur YouTube, je tombe sur des gros cons. Bah t'avais qu'à regarder sur Google Maps en fait, hein. Non, mais les gens c'est Google en fait. Mais hein. En fait ils savent pas comment gérer leur vie, quoi. Et du coup ils s'en prennent à nous. C'est bizarre d'un commentaire méchant, y'a personne qui a dit que Bailly a pué des pieds alors que ses pieds c'est une horreur. Un dernier commentaire. Allez, on maman, maman elle a dit à table. On arrive. On arrive, ta gueule. Alors, tu sais ce qu'elle m'a dit la dernière fois? Non. Dit, ouais, vous commencez à gagner beaucoup d'argent, va falloir participer au loyer. Oh, c'est mort, on va te faire foutre. T'as vu? Non. Genre tout ça parce qu'on est majeur. En plus, on gagne pas assez, on a genre quoi, 15K par mois. Mais ouais, c'est que dalle. Comment on fait pour s'acheter des fringues après? Enfin, je sais pas, whatever. Bref, anyway. Bref, maman, si tu regardes la vidéo, va te faire foutre. So, arrête. J'adore faire le chat. Miaou, miaou, miaou. T'adores pas faire le chat, t'adores faire la chienne, toi. Vous voyez, il y a des barreaux derrière là. Bah, bye. Je l'attache. M'attache. Pourquoi tu parles tout le temps comme une cassos? J'avoue. Mais toi, t'es débile, hein. Mais j'avoue, je pense qu'il faut que j'aille à la. Pouffi, va à l'asile. Bah ouais. So, last come. Bonjour tous les deux. Désolé si ça paraît comme une critique négative, mais c'est important. Vous faites pitié tous les deux. Vous avez des sales gueules de merde et je pense que vous profitez de YouTube. Jalousie. Vous ne faites rien à part des sales face cam. Vous gagnez beaucoup trop d'argent pour ce que vous faites et vous parlez mal à tout le monde. En plus de ça, vous êtes consanguin. Alors déjà, non, on est frères et sœurs. J'avoue. Ensuite, je suis désolé, mais vous n'avez pas le moindre talent. Vous faites pitié. Il faudrait peut-être penser à arrêter ce métier-là et laisser la place aux vrais artistes. Ça ne va pas tenir sur la longueur. Soyez-en certains, vous ne pouvez pas mentir à tout le monde pendant si longtemps. Trouvez-vous un vrai métier. Vous qui dénigrez tout le monde, ça vous fera du bien. Bande de merde, j'aurai honte d'avoir votre vie. Bah franchement les haters ils parlent pour rien dire. Excuse-moi. Bah ouais franchement. Enfin moi personnellement ça me fait rien du tout. Pareil, t'as des gens ils croivent qu'ils connaissent notre vie et tout, mais en fait c'est pas du tout ça. Enfin il y a plein de trucs de dessous derrière et tout. Ils croient qu'on gagne beaucoup d'argent alors que. Non, pas tant que ça. Enfin à un moment donné, si ça nous faisait quelque chose, ça veut dire qu'on portait de l'attention à vous. Hein. Alors qu'on s'en branle complètement. Qui a voulu la faire. C'est toi qui m'as dit que ça faisait des millions de vues ce genre de vidéo alors bah tu voulais oui, bah, bah, pour avoir de l'argent. Bah oui, bah il y a de l'argent. C'est toi qui a voulu pour... Je vais aller manger du hachis maman, pied de maman. Et arrête de toute façon les vidéos, j'en ai marre. J'arrête pas les vidéos, bah hein. Mais les gens ils sont trop méchants, bah hein. Viens, bah allez, on s'en fiche, on fait du fric. Moi, j'avoue.
Oh, j'avoue, mais... Vas-y, on s'en rend compte, on a plein d'argent. So, so, whatever. Whatever, mettez-nous en commentaire ce que vous voulez voir pour la prochaine fois en vidéo. Yeah. Bon bisous, ciao. Bon bisous, vous adore trop. Merci pour vos commentaires. Bye. Bye. Faut vous achète des cadeaux. Ouais. Ah ça, pour les cadeaux, il y a du monde. Mais pour les commentaires, il y a encore plus de monde. Les commentaires méchants.